Allez, complique pas les choses. Poussez-vous de là. Non. Voilà Toland, avec ses sbires. Je suis quelqu'un de généreux. Alors je vous laisse encore une chance de vous en tirer en partant. Sur le champ. On ne te laissera pas passer, Oseram. Si tu choisis la violence, ce sera sur ta conscience. C'est bien les Karjas, hein. Toujours à essayer de compliquer les choses. Bon les gars, vous l'avez entendu. Préparez votre conscience. Une minute, Toland. Encore toi ? Écoute, je suis à court de patience. J'ai atteint les ailes de cet oiseau tempête. Les pièces sont à moi. Je me fous de savoir qui se met dans mes pattes. Des sauvages Nora ou des pouilleux de Karja de l'ombre. C'est pareil. D'après ce que j'ai entendu, la loi dit que celui qui accède aux pièces en premier les garde. Dans le cas présent, c'est moi. Pas vrai? Tu as pris le cœur? C'est moi qui l'ai abattu, moi! C'est pas vrai? Ouais, elle a raison, chef. Mais ferme-la, Louf! Très bien. T'as gagné. Les affaires marchent. J'en ai pas besoin de ces pièces. Mais eux, ces gens, eux, ils ont bien besoin d'aide. Allez, les gars. On rentre à Skorok. J'ai besoin d'un verre. Aloy, merci. Merci encore. De rien. Tiens, prends ce cœur. Achète de la nourriture, des vêtements, un abri pour ton peuple. Voire des terres pour construire un logement. Je... C'est... Savoar qui doit prendre ses décisions. Non, je... Je suis désolée, Lokasha. Savoar ne reviendra pas. Il est parti. Je sais que c'est dur. Mais ton peuple a besoin d'un chef. Va à Skorok. Parle à la forgeronne de là-bas, Petra. Donne-lui le cœur d'oiseau tempête. Elle prendra soin de toi et de ton peuple jusqu'à ce que vous soyez remis sur pied. Trouvez votre voie. Je ferai de mon mieux, Aloy. Je n'ai pas vraiment le choix. Tiens, accepte ceci. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que ça t'aidera un peu. En route pour Skorok.